Avant d'aller plus loin concernant les apprentissages des outils de sélection géométrique, je veux dire, moi, proposer nous pour nous faire un petit exercice pratique pour nous capables, ouais, une façon nous capables d'utiliser les outils de sélection. Moi, proposer nous pour nous faire un petit affiche ça, la regarder, nous allons laisser réaliser ensemble avec outil de sélection géométrique que nous relais ellipse là. Bon, pour nous débattre exercice ça, m'a fermé ça que moi-même de faire sans pas besoin de sauvegarder. Image que j'ai utilisé pour exercice là, je vais l'ouvrir et n'a recommencer à zéro jusqu'à ce que nous aboutions à résultat ça que nous sauvegarder là. Ça nous sauvegarder là, c'est une planète de fleurs que nous allons laisser réaliser ensemble. Et m'te gen tan di nou deja par anticipation que nous pral utiliser les outils ellipse que n'a joine parmi les outils de sélection géométrique. Là nous rivé dans outils sélection géométrique yo, n'a cliquer kembe pression jusqu'à ce que nous rivé à ellipse et nous cliquer sur lui. Ensuite pour nous faire une ellipse, nous avons ça déjà. Nous avons pressé la touche Alt. Et là, nous avons pressé Alt. Nous avons commencé à cliquer, draguer sur l'image noire. Pendant que nous avons dragué, nous avons cambé Shift pour nous capable gagner un cercle parfait. Voilà. Là, nous avons gagné un cercle parfait. Qui ça fait qu'on aime un cercle parfait? Si on va nous capable vérifier dans palette info, soit nous presser F8 sur clavier noir ou bien nous aller dans menu window, voilà window et puis info, et là n'a pas remarqué li ban nous information qui relative à cercle ça que tracé, et information ça c'est diamètre cercle que sous tracé, c'est un diamètre qui a 238 pixels. Comment faire qu'on est pixel? Capable vérifier dans ce quoi ça, nous cliquer kembe. Le fait que pixel c'est lui même qui coché. Donc là me connais mon diamètre qui a 238 pixels. Tandis que s'il était en pouces, il est à 3.306 pouces. Si c'était en centimètres, l'étape à 8.40 cm. Donc, moi connais que moi j'ai un diamètre qui a 238 pixels parce que c'est pixel moyen qui coché dans liste unité qui gagne dans palette info. Donc ça c'était pour me démontrer non, de prouver non que moi-même moi j'ai un cercle parfait. Ensuite, pour la prochaine étape, n'a copier cercle ça que nous souhaitons faire là, sélection ça que nous souhaitons faire là. Et pour nous faire ça, soit nous aller dans édition, copie, ou bien nous faire contrôle C et puis contrôle V. Là, nous copier sélection noir ensemble avec tout contenu que il prend, tout contenu de pixels que li prend dans image ça. Et voilà, nous venons gagner un layer en plus. Voilà, nous venons gagner un autre layer qui sous tête layer qui te rele background. Même si nous pas ouais sélection visible, mais sélection li toujours existé pourtant. Si toutefois nous ta reme ouais sélection, nous allons aller dans Select, ensuite à faire Reselect. Et voilà, notre sélection est bel et bien présente. Maintenant, ça nous allons faire la sélection. Ça. Nous allons essayer de bali un aspect de sphérisation. Ça veut dire faire tant qu'on boule cristal. Et pour nous faire ça, nous allons aller dans le menu Filtre. Field,
Ensuite, nous allons aller dans distort, ça veut dire déformation, et nous allons choisir spherize. Spherize, ça veut dire sphérisation pour que nous soyons capables de bali aspect boule cristal que nous avons gardé là. Et nous allons veiller bien, est-ce que paramètre nous allons à 100%. Si toutefois paramètre pour l'alba à 100%, mettez-le à 100% de telle sorte que pour capable bien effet boule cristal ça qui va regarder là. Et ensuite on va cliquer sur OK. Mais c'est pas encore fini. Nous pourrons essayer embellir boule cristal noir et faire lui paraître plus visible. Mais ça nous pourrons utiliser un outil qui relie outil densité. Ou capable de joindre sous faire raccourci clavier haut sous clavier ou bien ou aller là pour te montrer nous voilà dit en compirili relie en anglais dodge tool c'est l'outil density nous va essayer densifier boule cristal noir de telle sorte que pour le capable mieux viser pour le capable plus bien paraître le ça là nous fin cliquer sur dodge tool là. Nous faisons clic droit sur l'image noire. Ensuite, nous choisissons une broche qui a 100 pixels. Mettez la broche noire à 100 pixels. Ensuite, dureté là, côté marqué hardness là, nous capable mettre li à environ 50%. Choisissons une broche ou bien une brosse qui gagne taille 100 pixels. Ensuite, dureté li à 50%. Et là nous finissons, nous cliquons dans espace vide. Ensuite nous quimbé pression, nous cliquons à côté boule cristal noir, à côté sélection noir. Et puis nous faisons le tour. Et là nous commençons gain aspect boule cristal là qui mieux paraît. Gardez bien, moi pas cliquer sur toute image là. Mou pa clique nan mitan image mais moi clique à côté sélection nan pour me capable gagner effet boule cristal que n'a cherché. Ensuite, pour nous capable bayon un aspect tomber lumière, nous capable un petit peu en haut à droite continuer foncer densité. Nous capable bali un aspect qui plus ou moins lumineux. Voilà, jusqu'à présent, je pense que tout le monde réussit à faire ça. Une fois nous avons une satisfaction avec la planète noire, nous sommes capables maintenant de désélectionner. Select, deselect. Maintenant, pendant que nous avons un calque, layer background noir actif, nous allons bali, nous allons laisser atténuer li pour permettre planète noire ligne détachée sous fond. Et pour nous faire ça, nous allons aller dans filtre blur gaussian blur. Donc ça c'est un filtre qui pour permettre ou atténuer fond côté planète noire pour planète là capable mieux visible. Nous capable choisir un rayon de 4 pixels, bon, ça va dépendre de nous. On rayon de 4 pixels ou bien on rayon de 3 pixels. Bon, moi, je choisis un rayon de 3 pixels. De 3 pixels. Ensuite, je fais OK. Jusqu'à présent, on a remarqué que la planète noire est très détachée par rapport à la background. Et tout. Nous sommes capables de déplacer le mettre le côté qui fait nos plaisirs. Pour les perfectionnistes, nous sommes capables d'utiliser sous background noir une teinte saturation. Et par conséquent, nous allons utiliser un calque de remplissage. Mais ça, nous allons aller dans layer. Nous allons aller dans layer. New adjustment layer, ensuite new saturation, puis nous faisons OK.
Là, on a coché, on va définir colorize. Ensuite, concernant la teinte, on est capable de mettre en teinte qui fait nous plaisir. Moi, je vais en teinte niveau 30, saturation. Nous choisissons ça qui fait nous plaisir. Moi, je vais mettre à 20. Là, on prend compte que nous avons un fond qui semble avec une photographie monochrome en ton sépia. Si toutefois nous voulons ajouter couleur à fond noir, nous sommes capables de réduire l'opacité tête là. Par exemple, nous capable de réduire la 50%. Bon, 52%. Pas grave. Et voilà. Et pour nous finir net, nous capable si nous voulons ajouter un petit texte. Donc, je vais nous faire aller dans un petit texte. Nous cliquons sur lui. Dans outil texte, on peut taper n'importe qui ça. On choisit de taper planète de fleurs. Ensuite, on clique dehors, clique sur Move to Line. Si toutefois nous voulons modifier le texte, on est capable de cliquer, double-cliquer sur T1. Ensuite, moi ajouter am dans qui boîte là. N moi qui va gagner accent. Étant donné que je ne vais pas faire accent sur laptop, moi je vais aller dans taille. Ensuite, glyph. Je vais chercher glyph type. Bon, on a le réunion. Côté là qui. Marqué glyph. Voilà, panel et puis glyph panel. Ensuite, dans glyph panel là, je cherche le PR Saint-Égile là. Et voilà. Je vais cocher activer ça pour valider. Pour finir net, si toutefois, bien à nous souhaiter un billet de texte, on a parlé de l'air noir, nous l'ouvrons. Ensuite, nous double-cliquons dans l'espace vide. Ok, dans l'espace vide, dans l'air texte noir. On dit bien double-cliquer. Ensuite, l'imène-nous avec un style de l'air. Et là, il y a une possibilité pour nous mettre un effet en boss. J'ai toutefois noté well dans le premier et j'ai noté well l'introduction et quoi. Même pas prêt à aller plus loin puisque nous pouvons étudier un petit texte dans Photoshop et nous pouvons cliquer sur OK. On s'arrête ici et voilà notre jolie affiche concernant une planète de fleurs. Et pour nous sauvegarder fichier noir, nous allons dans File, Fichier, Save As. Ensuite, nous choisissons qui emplacement, qui nom. La Bali. Par exemple, moi, je choisis la palette des fleurs. Et puis, dans Save As Tab, nous choisissons dans qui format nous sauvegarder. Étant donné que son fichier Photoshop, ça c'est le format natif, nous choisissons Photoshop. Ensuite, moi, je décide de mettre sur desktop moi, et puis, je clique sur Save.